Et bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau style de vidéo parce qu'aujourd'hui, on va rétablir la vérité sur un sujet que j'aime beaucoup, plus particulièrement sur le sujet des Vikings. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un viking? Un viking, c'est un pillard. C'est aussi un explorateur et un navigateur. Mais c'est aussi un pirate scandinave. Ainsi qu'un commerçant. Et bien sûr, un guerrier. Numéro 1, les casques à cornes. Les vikings n'avaient pas de casques à cornes. Ils avaient plutôt des casques à lunettes, comme celui-ci, ou des casques nasales qui protègent le nez, ou les plus pauvres n'en avaient pas. Les casques à cornes, c'est faux. Numéro 2, Bjorn, Côte de Fer. Dans la série télévisée, Bjorn, Côte de Fer est le fils du légendaire Ragnar Lodbrok et de la guerrière Lagertha. Mais dans la réalité historique, il serait apparemment le fils de Ragnar et d'Aslaug. Mais ça reste une bonne série. Ça reste ma série préférée. Numéro 3, sale et hirsute. Encore un préjugé sur les Vikings, ils seraient malpropres. C'est faux car on a retrouvé des peignes dans certains tombeaux, des peignes faits en ivoire ou en bois. De plus, ils ressembleraient à ceux de la série Viking, comme par exemple Ragnar. Numéro 4, rien que des barbares. Laissez-moi vous prouver que les Vikings n'étaient pas seulement des barbares, mais aussi des artistes, de très grands artistes. C'était de grands explorateurs, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ils seraient les premiers à avoir découvert l'Amérique. Celui qui l'aurait découvert serait le fameux et légendaire Leif Erikson. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire ce que vous avez aimé, ce que vous ne saviez pas sur les Vikings, ce que vous savez aussi, ce que vous aimeriez savoir sur eux. Je vous répondrai. Moi, personnellement, les Vikings, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit. J'ai toujours aimé les Vikings et ça restera toujours ainsi. J'en suis sûr et certain. De nouvelles vidéos arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas à rester actif, bien sûr. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!